Le procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, dont une brève audience s'est tenue lundi matin, a repris aujourd'hui avec l'audition sur 3 jours des principaux accusés. Comme lors des autres audiences, Hosni Moubarak est arrivé au tribunal à bord d'une ambulance, à l'extérieur, des groupes de partisans et d'adversaires de l'ancien Raïs égyptien s'échangeaient des slogans. Le procès d'Hosni Moubarak a débuté le 3 août dernier, mais il avait dû être interrompu de longues semaines du fait de l'état de santé du principal accusé. L'ancien président égyptien est jugé pour son implication présumée dans la répression du soulèvement début 2011 et dont le bilan s'élève officiellement à quelque 850 morts. La cour cherche notamment à établir s'il a donné l'ordre de tirer sur la foule durant les événements, auquel cas Hosni Moubarak est passible de la peine de mort.